humaine la liberté individuelle est garantie par la loi. Elle est d'abord garantie par la Constitution. Elle est garantie par toutes les conventions internationales ratifiées par la République d'Haïti. Le commissaire du gouvernement, près de la cour d'appel de Port-au-Prince, a envoyé à la prison des citations pour demander aux inculpés de comparaître ici ce lundi 3 mai 2021 à l'audience. C'est le commissaire du gouvernement qui a une citation qui demandait pour nous paraître ici. Mais ça, nous constatons, le commissaire du gouvernement ne prend aucune disposition pour assurer la mise en état du dossier. Le commissaire du gouvernement ne prend aucune disposition pour assurer la mise en état du dossier. Un, les inculpés ne vont pas paraître devant la cour. Deux, le commissaire du gouvernement n'a pas respecté aucune procédure. Le réquisit droit du parquet n'a pas été déposé au greffe et tenu à la disposition des parties, conformément à l'article 16 de la loi sur l'appel pénal. Le dossier d'appel n'a pas été déposé au greffe. À partir de ce moment, il y a une faillite du parquet, il y a une faillite de l'État. Et l'article 3, disons l'article 9, alinéa 3, du parquet international relatif au droit civil est clair. Lorsqu'on est au monde, l'État a une responsabilité pour prendre disposition pour le juger. Et si pour arrêter le monde, ce sont des citoyens, ce sont des prisonniers politiques, ça fait 15 mois qu'ils sont en prison. Je dis à eux, viens juger, le commissaire a dit qu'il n'y a pas de dossier dans la main. Le commissaire n'a pas mis dossier en état. Le dossier n'a pas déposé au greffe de la cour. Le réquisit droit du ministère public n'a pas été déposé au greffe de la cour et tenu à la disposition des parties. À partir de ce moment, il y a une faillite. Mais écoutez, la liberté étant la règle, les citoyens qui sont en détention ne sont pas capables, victimes de la faillite ou de l'incompétence du parquet. Voilà pourquoi nous avons demandé à la cour, sur cette base, de mettre en liberté les inculpés. C'est à cette phase que nous sommes. On va faire le dépôt des pièces et nous espérons. Nous avons la conviction que justice sera enfin rendue. Ce n'est pas une plaisanterie. Au moment où les citoyens disent qu'ils vont venir, aller au Vinal et vous ne pas un dossier dans le monde, vous ne pouvez pas un dossier en état. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux et nous espérons que cette composition de la cour va faire droit à notre demande de mise en liberté conformément à l'article 9 du pacte international au titre de droit civil et politique alignée à droit. C'est ça le jour de l'eau qu'avant de vous dire. Ce sont des prisonniers politiques, la justice est en faillite. C'est impossible. De toute façon, et cette composition est composée de 3 juges expérimentés et je veux garder la conviction que la cour d'appel va assumer sa responsabilité, que justice sera enfin rendue. Jodian, commissaire gouvernement, met dossier en état. Malheureusement, l'Elvini n'a pas de dossier. Ça montre clairement, méchanceté, monsieur. Comme nous autres, comme en tant qu'avocat, nous faisons demande en main levée, selon l'article 80 du Code d'instruction criminelle, côté que nous connaissons la liberté et la règle, la prison est l'exception. Nous attendons les juges de la cour pour décider et pour libérer les prisonniers politiques. Parce que nous souffrons trop. Il ne va commettre aucune infraction. Je ne dis pas, il faut que vous libérez et c'est ça notre temps. Nous-mêmes, comme avocats, nous avons confiance à libérer quand même. Depuis ces droits qu'a fait, il faut libérer. Écoutez, qui est-ce qui ne connaît que Anel Belizer qui lit Job Babas, tout le monde, c'est prisonnier politique? Qui est-ce qui ne connaît que en détention préventive prolongée? Qui est-ce qui ne connaît que commissaire, la presse ou le commissaire Vinal dit pas de dossier? Eh bien, tout le monde connaît que les commissaires de dossier sont sortis de négociation.
qui moun ki pa konnen que nous signé ratifié ça relé droit à la liberté individuelle etc. Eh bien l'article 80 est clair contre destruction criminelle là nous font demander mais en main levée nous espérer et nous penser que juge de la cour il a pris responsabilité et a ordonné libération prisonnier politique cap couvert de 17 ans dans comme dire que il va nous propre à la veine mais c'est pas il va de tout le monde ouais mais devant nous tout ou pas gain dossier comment on est en prison ça on dit il va vrai dire bon bah il s'est demandé libération à des nos cas au ministre qu'est-ce que ça veut dire nous même n'attendons Anel yo pas nous décision que Anel libéré on pas payer dossier à son dossier politique. L'information est à fait pour elle, et c'est le Jovenel Moïse qui a baillé haute libération. Il a demandé pour les Guinéens. Eh bien, on va voir ça. Parce que la politique est régie par la loi. La politique est régie aussi. C'est le constituant qui parle. Maintenant. Donc, parmi les politiques, c'est la loi. Donc, on peut arriver, magouille là, ou bien politique là, il y a des limites. Mais la loi sans limite. Qui s'accrète pour faire la loi? Bon, nous avons un document. Audience là, nous allons camper. Oui, nous campons audience là parce que nous avons un document que nous voulons chercher. Là, qui est presque arrivé là. Et donc, pour nous bailler juge et pour juge disserte. Attends, que vous libérez. Ok? Vous libérez, nous vraiment délibérez. Parce que pas de dossier. Bon, d'état. Moi, je suis même fait ma boule pour ne pas venir là. Mais je suis venu là, je vais la rue sous place là. Sur place. Mais puis on était dominé physiquement. Il y a fait ma boule toujours. Qui te fait ma boule? La loi toujours casser ma boule. Là, c'est mon qui ça. La cour d'appel est compactement réunie. Les trois juges sont là, le ministère public est là. Donc, le procès de la défense renouvelle les demandes antérieurement formulées. Oui, et d'ordonner au ministère public présent de lire son acte d'appel. Écoutez.
était là. Il prend la coupe de son père. Non, non. Il était là pour venir plaider cette affaire. Malheureusement, les prévenus ne comparaissent pas. Donc, il s'est déplacé. Et donc, nous sommes ici. Quand nous disons que nous n'avons pas le dossier en cours, cela suppose le dossier a été confié, retenu par le commissaire en chef. Le parquet est difficile. Le parquet est deux et est difficile. Il est le parquet. Le parquet est deux et est difficile. Je lance. Je parle de cette affaire et que nous ne sommes pas en mesure de conclure sur Donc là, vous, tout le monde, on donne le dépôt des pièces pour se prononcer. La Cour a demandé de déposer. A déclaré péremptoire, on va devant la Cour. Ce qui suit, deux points, ouvrez les guillemets. Premièrement, qu'il n'a pas de dossier. Premièrement, qu'il n'a pas de dossier. Deuxièmement, qu'il n'avait pas retenu l'affaire. Oh, magistrat, si vous me permettez, félicitations. Oh. C'est le dossier du ministère. Il est parti, le ministère public est parti poursuivant. Donc c'est dit que ceci équivaut à une renonciation. Ceci équivaut à une renonciation. Oui. Et si donc, magistrat, écoutez ça pour nous. Ceci est des déclarations faites. La demande. Oui, je suis je fais une brève, très brève. Est-ce que l'acte vous a été accordé par la Cour? Bien sûr. Produisez votre acte. Je produis la demande d'acte, on m'a accordé la parole. C'est-à-dire que la demande d'acte a été agréée. Bon, de toute façon, la parole pour produire on va demander au ministère public. Est-ce que donc, Maïssa, je vous demande d'agréer ma demande d'acte, s'il vous plaît. À savoir que, le ministère public a déclaré qu'il n'a pas de dossier. Deux, il a déclaré péremptoirement qu'il n'avait pas retenu l'affaire. Nous sommes en face d'une situation nouvelle. Il faut attendre. Nous sommes en face d'une situation parce que, honorable magistrat, s'il n'y a pas de dossier, nos clients doivent être libérés. Purement et simplement, il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de dossier. Il a renoncé. C'est une renonciation formelle. Donc, magistrat,
ordonner au greffier, pour nous, s'il vous plaît, de mettre sur le fictif que le client sur la demande d'âge. Oui. Nous sommes à cette phase-là. Ok, maïssa. D'accord. Mais j'ai oublié pas d'objection. Aura présidé la résistance des juges de l'armée devant les violences, puisque nous n'avons pas maîtrisé cette affaire et nous ne sommes pas en mesure de conclure sur les demandes formulées par les avocats des enfants. C'est ça qui nous appelle. C'est ça qui nous appelle du ministre de l'Église. Oui, oui. Monsieur le Président, il distingue les juges de la Cour. Nous n'avons pas réglé cette affaire et que nous ne sommes pas en mesure de conclure sur les demandes formulées par les avocats des juges. Donc sollicitons la parole à votre prétoire, loi de président et membre de la Cour. On a une remarque essentielle à vous dire. Maintenant, c'est la fortune. Max, c'est la fortune. Attends, je vais répondre à la parole. On n'a pas encore appelé. On n'a pas encore appelé tous les équipes. C'est pas important que tous les équipes ont été appelées. Pas d'accord? Les sieurs Jean-Pierre Fleuret, Paul Joannel, Gary Philemon, Mackinton et Restil, Estéril, Pierre Kilik Sémélus et Ornel Bélisère. Honorable Président et membre de la Cour, Maître Maxin La Fortune, Maître Maxin La Fortune, Caleb Jean-Baptiste, Mario Joseph, Venel Vital, Kenny Beaubrun, Palvin Fizema, Reynold Georges, Manès Louis, Jonas Revenge, Jeunol Dudonné, Arnel Rémy, Marc-Antoine Maisonneuve, André Michel, Jean-Télève Pierre Toussaint, Renel Joseph, Patrick Séverin, Camille Leblanc, Jean Danton Léger et Iswick Théophin. Il faut ajouter Maître Gervais Charles. Iswick Théophin, Maître Gervais Charles. Demande acte de leur constitution. Maître Jacques et Joseph. Maître Bastien Jean. Demande acte de leur constitution pour les inculpés Ardel Bélisère,
Pierre Kili Semelus. Jean-Pierre Fleuret. Jean-Pierre Fleuret. Gary Philémon. Gary Philémon. Paul Joanel. Paul Joanel. Et Mackinton Estéril. Et Mackinton Estéril. Suite à cette demande d'acte de constitution, oui, suite à cette demande de constitution magistrat, on a tout au préalable une minutiste et à l'évocation de l'affaire soulevé l'exception de mise en état de cette affaire. La défense soulève l'exception de mise en état de l'affaire car la citation a été signifiée à la requête du ministère public que la cour d'appel de Port-au-Prince le 4 avril 2021, soit ce vendredi. Or l'article 16 de la loi sur l'appel pénal prescrit de manière expresse et donc publique ce qui suit à l'islam. La loi sur l'appel pénal, c'est la loi du 26 juillet 1979. Ce qui suit. Le ministère public notifie par acte d'huissier à chacune des parties à son domicile élu ou à défaut à la dernière adresse connue la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de 5 jours en toute autre matière doit être observé entre la date de cette notification et celle de l'audience. Le dernier alinéa dispose ce qui suit. Pendant ce temps, le dossier, y compris le réquisitoire du ministère public, est déposé au greffe de la cour et tenu à la disposition des parties. Entre vendredi et aujourd'hui, le délai de rigueur n'a pas été respecté. Donc, on peut conclure à la non-mise en état de cette affaire. Ensuite, magistrat, en plus de la mise en état, il y a le respect du droit de la défense. C'est la raison pour laquelle l'alinéa 3 de l'article précité est évoqué, prescrit clairement. Pendant ce temps, le dossier, y compris le réquisitoire du ministère public, est déposé au greffe de la cour et est tenu à la disposition des parties. Donc, le dossier a-t-il été déposé pendant ce temps? On peut dire non. Vendredi, la qualité signifiée, la citation. Aujourd'hui, elle le dit. Donc, depuis communication dimanche. Donc, sur ce magistrat, et de plus, je vais vous dire une chose. Magistrat, non, je vais conclure. Je vais conclure après. Magistrat, le ministère public a fait choix de nuisser près de la cour d'appel de Port-au-Prince pour signifier une citation à la juridiction de la Croix des Bouquets. Mais, magistrat, il est clair que l'article 56 sous l'organisation judiciaire, 55, prescrit ce qui suit. Les huissiers audienciers et les huissiers exploitants des cours d'appel n'instrumentent que dans le ressort du tribunal de première instance où siège la cour d'appel. Conformément, concurremment pour toutes affaires avec les autres huissiers, excepté ceux de la cour d'appel, de la cour de cassation, seulement de la juridiction où siège la cour de cassation. Et c'est une disposition, magistrat,
d'ordre public à peine de l'unité, car il y a deux arrêts de la Cour de cassation. Souffrez magistrat que je trouve les arrêts à la page 282. 282 du bulletin des arrêts. 282 du bulletin des arrêts de la Cour de cassation 2011-2012-2013-2014. Résumé de l'arrêt. Les huissiers ont une compétence territoriale déterminée par la loi. De telle sorte que l'acte de huissier qui est soumis en dehors de sa juridiction est nul. Magistrat, je vais vous dire une chose. Je ne saurais dire que le ministère public soit incompétent. Loin de là. Peut-être désinvolte. Peut-être méchant. Car, curieusement, aujourd'hui, on n'a pas la présence des inculpés. Est-ce notre faute? Est-ce la faute de l'administration pénitentiaire ou la faute du ministère public? Je n'ai pas. Je n'ai pas donné ces détails. Est-ce qu'on peut continuer à subir le dysfonctionnement du système? Or, les gens continuent à rester en prison sur les verrous de la justice. C'est la raison pour laquelle, magistrat, la défense conclut ce qui suit. Attendu que. Yes. Pouvoir le président à la dernière audience le 17 mai, en ce qui a fait à ce dossier, a fait mouiller la cour et suite à ce que le pénitentiaire national n'avait pas conduit les coupés ici, la cour avait estimé bon de mettre l'affaire en continuation. Aujourd'hui encore, magistrat, nous avons constaté que malgré l'exaction a été acheminée à la prison civile de Port-au-Prince, constatant que l'inculpé, hélas, ne peut pas arriver. Pourquoi le ministère public? En plus, son avocat a appelé ce matin pour dire que là, il y a un empêchement de dernière heure, il ne pouvait pas comparer ici sur ce magistrat au droit de l'homme de la cour, du ministère public, faisant avec le propos de mettre l'affaire en observation à l'audience du ministère. Permettant à l'avocat de comparer au fait d'assister de son client pour le moment de l'audience. Merci de votre attention.